Chers amis retariens et retaraxiens, aujourd'hui, je vous parle des bords de la Seine, à quelques pas du Novotel Paris-Centre Tour Eiffel. C'est ici que se tiendra la conférence de district le samedi 15 juin, où nous traiterons de la santé mentale, le thème présidentiel en action dans notre district. Des intervenants extérieurs aborderont ces sujets avec compétence et nous ferons partager leurs connaissances. Les Rotary Clubs de notre district, qui ont à cœur de travailler sur ce thème au cours de cette année, nous présenteront leurs actions. Ce sera la fête du Rotary et je compte sur vous tous. Nous vous attendons nombreux. Les inscriptions sont maintenant ouvertes. Je tiens aussi à vous parler d'une belle action à laquelle j'ai assisté hier, la vente aux enchères de vin organisée par le Rotary Club Paris Quai d'Orsay et le Rotary Club Paris Porte d'Orléans et soutenu par les Rotary Clubs Paris-Châtillon-Val-de-Bièvre, Paris-Lumière et PPO Vallée de l'Orge. Cette vente aux enchères de vin a permis de dégager 37 000 euros de bénéfices qui seront reversés à deux associations, l'une en soutien au cancer des enfants et l'autre en appui des enfants atteints d'autisme et leurs familles. Une belle manifestation dans la convivialité et la bonne humeur. Cette même convivialité, je la retrouverai dans quelques jours à la Convention internationale de Singapour, où avec une vingtaine de Rotariens de notre district, nous partons rejoindre notre président international, Gordon McInally. C'est un moment unique et nous retrouverons des Rotariens du monde entier et pourrons écouter des conférences inspirantes pour l'avenir du Rotary. Le samedi 8 juin, je serai à la dernière ROD, réunion d'organisation du district, organisée par les Rotaractiens. Cette réunion est ouverte à tous les Rotariens et à tous les Rotaractiens de notre district. Ce sera l'occasion de mieux connaître les clubs Rotaract et de développer les liens entre les clubs Rotary et les clubs Rotaract. Venez nombreux préparer le futur de notre mouvement. Je vous dis à très bientôt à la conférence de notre district. Ce sera une expérience unique, une perspective enrichissante, rafraîchissante, profonde, sur la façon de créer un monde empreint de joie et d'optimisme. Il s'agit donc d'une invitation à découvrir comment cultiver l'espoir et la résilience dans nos vies et nos communautés, même dans les moments les plus difficiles. En cette période où le monde a plus que jamais besoin d'espoir, je compte sur votre participation à cette journée du samedi 15 juin. Cette journée sera remplie de joie, de partage, autour de moments conviviaux. Je souhaite que chacun des clubs de notre district soit représenté par au moins un Rotarien et chacun des clubs sera appelé sur l'estrade par groupe d'ADG avec son fanion. Ensemble, nous créons de l'espoir dans le monde.